Les éléments culturels, c'est éléments plutôt qui plus durables que nous gagnons, et même si ils sont pas éternels quand même. C'est-à-dire culture en fait et qu'elle mourit tout. La culture importante, des points de vue, l'ensemble des définitions de la culture, c'est assez complexe. Mais pour nous joindre plus ou moins en adhésion à la question, c'est que c'est moyen de nous sentir. Même des moyens de sentir, moyen de nous penser, moyen de nous faire poésie, moyen de nous faire l'amour, moyen de nous prier, économie nous, etc. Aménagement, espace nous. Ensemble d'éléments qui arrivent à mettre ensemble, qui fait que identifier une communauté comme telle communauté par rapport à une autre communauté qui fonctionne, qui opère différemment, même si c'est un groupe humain, mais qui ont l'autre aménagement d'espace qu'ils ont fait, ils ont pensé en l'autre gens, ils ont l'autre vision du monde. Et que qui fait une façon de spécificité, c'est ça entre guillemets, ils ont l'identité. Et l'identité, il y a individuel, mais collectif, tout, il y a communautaire, dépendamment de comment une communauté arrive lui-même, l'identifier ou saisir l'évolution par rapport à l'autre communauté. En ce sens, moi, je pense que l'élément culturel, le contenu culturel, il peut être suffisamment d'émotions, de vécu et partagé qui fait que l'important, si nous besoin comprendre un pays, et notamment la communauté haïtienne, et qui c'est pour qui en pile c'est pour celle communauté qui est communauté côté n'a parlé là mais c'est-à-dire dans ville yo mais qui est communauté rurale yo qui est communauté dans espace périurbain bon ensemble de communautés intello yo chaque c'est des communautés différentes mais en même temps tout bon bagage qui lié globalement c'est l'haïtien et l'haïtien de point de vue large même s'il est Miami même s'il est dans train et dans neige par exemple et Québec, eh bien justement, bon réflexe global qui fait que l'haïtien, de par sa consommation, de par ses loisirs, de par son parler, etc., tous ces éléments-là sont des éléments identitaires qui permettent d'identifier l'haïtien et dans sa spécificité, même si ce n'est pas une vérité absolue, et il y a des efforts en termes de référence sociale et préférence sociale, il y a des gens qui ont fait effort pour sortir, pour venir tel, pour appartenir à tel groupe plutôt. Mais en même temps, il y a des traits assez forts, assez permanents, assez durables qui fait que on reconnaît haïtien en tel genre. La culture haïtienne d'antan et de première période ou du moins post révolution haïtienne, c'est pas même culture encore. Moun yo a évolué et pas de moyens informés on donc à boîte carton. Et moun yo saisi musique là, yo fait le rabodaï, et rabodaï ça différent du rabodaï que moi-même je connais dans le voodoo haïtien et notamment dans le rap. Mais en même temps, par exemple le rap haïtien, c'est pas le rap et finalement de Brooklyn. Et c'est pas le rap français. Et même ces rap là, c'est-à-dire en termes d'expression, en termes de mode, en termes de genre, mais éléments spécifiques haïtiens nous passer là-dedans qui fait que nous traverser par tant de barricades coups par exemple, ou autant d'éléments tambour et là-dedans, mais n'a pas lieu de rap. Et tendez par exemple pour Christopher Laroche, par exemple, vous sentez parole, langage qu'a parlé là et la parole de Bookman, c'est référent culturel, c'est référent que nous-mêmes nous reconnaissons là-dedans. C'est peut-être ça l'important. Et ceci, quel que soit le groupe social qu'a fait là, nous pensons que l'important et que nous portons attention à elle parce que finalement, lui rassembler nous, c'est l'élément qui fait qu'on s'identifie par rapport à telle autre communauté et qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire sur l'autre territoire, qui ont l'autre dynamique, ont l'autre mode de vie, et ont l'autre contexte, ont l'autre besoin, ont l'autre défi par rapport à la nature ou par rapport et à l'autre environnement. Donc moi-même, je pense que la culture, effectivement, pour autant, un élément transversal, fédérateur, même si nous n'avons pas les mêmes éléments, nous n'avons pas mangé, même manger, c'est nous pas organisé table à la même gens. Mais en même temps, et le griot haïtien, c'est le griot haïtien, l'alo, c'est l'alo haïtien, et le compas direct, c'est le compas direct haïtien, et que même si nous sommes capables d'avoir des familles qui entendent l'autre musique, etc. Donc pour moi-même, je pense que c'est nécessaire que nous portions compte, nous tenions compte de l'élément qui fédère nous au moins. Qui fait que nous identifions nous au moins. Dab dit tout à l'heure que l'élément culturel qui était identifié haïtien, et dans le premier temps, il a commencé à changer quand le paysan vient l'autre demande, vient l'autre défi. Sur base ça, il a organisé l'autre gens dans l'espace là. Et même si c'est des espaces de plus en plus, des espaces de survie, mais dans la survivance même,
on est obligé finalement et d'être solidaire. Donc, vous remarquez que comment les pays ont organisé, tout le monde machin, son nouvelle culture qu'il a, justement, que Mounio a une sorte de solidarité mécanique qui est au Kembe entre question transport, pas de transport, mais Mounio fait tap-tap, Mounio fait buscafoufeu. Et puis, mais en même temps, nous sommes en train de nous individualiser et de manière la plus possible, c'est-à-dire de on tap-tap, donc buscafoufeu ou en moto. Et ça, c'est des éléments culturels qui prend place, qui s'installent, qui se développent et que on ne peut pas nécessairement te bouger au cap pour aller au cap pour le même phénomène. Et ça veut dire que de plus en plus, ça s'installe chez nous. Dans les éléments culturels, il y a ce qu'on a à conserver, et c'est-à-dire on met de la valeur dessus et qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas nécessairement conserver.